Yap yap tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon déjà direct, je pense que vous avez compris, je suis pas seul, je suis avec une amie, ça va être marrant. Elle voulait participer à la chaîne quand elle a découvert que j'en avais une. Et bah du coup elle voulait bon, participer plus ou moins au live, mais comme vous savez, je peux plus trop en faire. Donc on va faire des vidéos. Et bah là vous avez vu, donc on est sur le compte de Schlag, enfin Elisio, compte secondaire. Donc il y a pas mal de choses à ouvrir, j'ai fait une économie pour faire un opening assez sympa. Et donc il manque entre guillemets un 5 étoiles, il manque 50 éclats, mais j'ai des cristaux du légendaire. Et donc Louise va s'amuser à appuyer sur les cristaux. J'ai l'impression de regarder une vidéo en direct du coup. Bah c'est un live quoi, je te présente. Merde, ils sont où les légendaires? Ah ils sont là. Donc là grosso modo c'est des cristaux qui te donnent un personnage 4 ou 5 étoiles. D'accord. Donc le 4 étoiles c'est 80% et le 5 étoiles c'est 20%. D'accord. Sachant qu'en soi, enfin, si t'as 2 5 étoiles c'est bien. Si t'as des 4 étoiles c'est bien, mais ce qui nous intéresserait c'est les 4 étoiles que j'ai déjà pour avoir des éclats de cristaux de 5 étoiles. Quand tu doubles un 4 étoiles, si tu l'as déjà, tu le récupères pas une deuxième fois. Ça lui augmente une compétence spéciale, donc une compétence en plus. Ok. Et ça te donne des éclats de fragments de 5 étoiles. Et là il m'en manque 50 pour avoir un nouveau 5 étoiles à ouvrir, donc l'objectif est... Ça va faire chier tout le monde si tu m'expliques à chaque fois, non? Non, non, parce que là, fin, en soi, après, il n'y a que les cristaux, après, c'est que du 5 étoiles, donc c'est 100% de chance de 5 étoiles, donc ce sera pas compliqué à expliquer, tu vois. Donc là, tu vois, Ok. ça tourne, si tu appuies sur le cristal, ça va s'arrêter. Ah, du coup, c'est à moi d'appuyer. Ouais, Ouais, du coup, ouais. si on a un truc de merde, c'est de ma faute. Ouais, bah en soi, là, tu peux vraiment pas trop m'avoir de la merde, genre même si c'est un 5, c'est génial, même si je l'ai déjà, si c'est un 4 nouveau, en soi, c'est bien, mais le mieux, c'est si c'est un 4 que j'ai pas. Et je crois que je l'ai pas. Enfin, du coup, pardon, le mieux, c'est si c'est un 4 que j'ai. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais l'avoir une deuxième fois là. C'est ça. Bon, par contre, C'était bien. si tu me chopes encore un nouveau 4, ça va pas le faire. En vrai, si c'est un 5, c'est pas grave. Au lieu d'ouvrir un 5 de l'autre côté, là, on ouvrira un 5 ici. Donc, on aura eu bien 5, 5 étoiles. Lui, je crois que je l'ai. Oh putain, il a tourné. Ah, lui, je connais. C'est qui? Sais pas, mais je le connais. J'ai déjà vu dans un film. Un mec noir avec un bandeau de pirate, ça se reconnaît. C'est Nick Fury, c'est le chef des agents du Shield. Ah bah voilà. Dans les Avengers. Bah voilà. Notamment, tu le vois dans Captain Marvel, je sais pas si tu l'as vu, il est très bien. Je l'ai pas vu. Dommage. Va falloir qu'on se fasse les Marvel à un moment. Mais Ouais. ça va être très long. Peut-être. Donc du coup, malheureusement, on va être à 50 et 49 éclats d'un 5 étoiles. C'est très triste, parce que j'ai vraiment tout ouvert pour essayer de... Ouais, enfin, bon, on peut toujours ouvrir celui-là, mais... Je le fais vite, on s'en allègue de ça. La proba d'avoir un 4 étoiles est tellement faible. Voilà, hop, de la merde. Bah écoutez, tant pis, ça fera un cristal pour un autre moment. Mais déjà, c'est pas grave. En soi, on a de nouveau 4 étoiles, c'est pas dégueu, même si pour ce compte, je m'en bats les couilles. Donc là, c'est un cristal 15K. Ce qu'on appelle 15K, c'est que normalement, les 5 étoiles, ça coûte 10 000 éclats. C'est pour ça que c'est dur à avoir. Surtout que les éclats, bah, ça s'obtient pas hyper facilement. Là, c'est un cristal qui coûte 15 000 éclats, mais que j'ai obtenu grâce à un événement, bah, justement, que je te parlais là, qui donne masse de trucs, donc les brèches. Ah oui, donc j'ai pas précisé, mais dans les brèches pour ce compte, fou malade. J'ai eu 2 10K, 1 15K, des gemmes. Enfin, toi, tu comprends pas, mais. Ah ouais, non, j'écoute, mais j'écoute pas là. Mais bref, et du coup, je vous jure, j'ai acheté comme pas possible. Du coup, le 15K, je l'ai eu comme ça, je l'ai pas acheté. Donc là, en gros, là-dedans, dans les 15K, c'est à 24 persos. Sur tous les persos qu'il peut y avoir, c'est ciblé. Il y a 24 persos que tu peux avoir. Et en gros, à chaque session de 90 jours, donc là, il en reste 28. Mais tous les 90 jours, si je dis pas de bêtises, ou tous les 60, bref, je sais plus, mais on s'en balèque en soi, ils changent le cristal et ils rajoutent du coup les 6 derniers persos qui sont sortis, donc après les 6 nouveaux qui sont là-dedans, plus en gros du coup 18 persos un peu random en mettant des anciens bons et des pas bons quoi. Et bah, le but c'est de choper du bon ou des nouveaux, parce que les nouveaux du coup, voilà. Est-ce que tu sens qu'on va avoir de la merde du coup? En vrai, non, parce que bah, comme ce compte-là, je m'en fous, je suis sûr et certain qu'ils vont donner des trucs bien. Et de toute façon, si on a de la merde là, il restera 4 autres 5 étoiles à ouvrir. Et le principe d'avoir un gros opening comme ça, c'est même si t'as qu'un truc bien, bon, t'es content, tu vois. Par contre, si t'as que de la merde, ça fait chier. Donc là, grosso modo, pour t'expliquer, si tu me chopes une femme qui ressemble à un écureuil, c'est bien. Si tu me chopes une femme qui a des pistolets un peu métisses, blanches, c'est bien. Un peu métisse blanche. Ouais, tu verras, enfin, c'est son costume. Y a qui d'autre? Si tu me chopes une sorte de bête des marais, c'est bien aussi. C'est un premium, même si sur ce. Mais tu verras. Clique et tu verras. Et sinon, ouais, c'est à peu près tout. Ok. Très bien, c'est parti.
Tu es sur cette de la grosse merde. Ouais, bah là, c'est mal parti, non? Oh putain, c'est énorme. Je le connais pas, donc long shot. C'est un beau gosse, t'as vu en vrai. Il te faudrait pas penser au prince charmant dans. Dans Shrek? Ouais. Ouais. Putain, j'étais ok, tu me rassures. J'ai. En vrai, non, l'image. Oui, L'image. l'image, En vrai, ouais. l'image. De lui, perso, je le connais pas. Enfin, je l'ai découvert avec le jeu. D'accord. Voilà, je connais pas tous les Ok. persos. Mais en tout cas, très, très, là, c'est un bon. Je connais pas le perso en plus dans le jeu parce que c'est un nouveau et comme je sais, j'avais dit qu'il arrêtait en janvier et que j'ai repris pour le confinement. Il est sorti bah, pendant ces 3 mois, donc je connais pas du tout. Mais je sais qu'il est vraiment bon et bah, c'est bien. C'est très bien. C'est étrange, pourquoi avais-tu arrêté en janvier, Greg? Je ne sais pas du tout. Alors en soi, tu sais que j'avais plus ou moins arrêté en décembre, c'était pour les rattrapages. Mais il s'avère que la campagne BDE m'a pas trop laissé le choix non plus. Là là, c'est bien, c'est bien. Non, un peu de priorité quand même, les cours. Oui, non, L'ENSAI oui. plutôt que les cours. La vie associative. C'est ça, c'est ça. C'est bien, comme ça tout le monde est courant de dans quelle école tu es, ils vont venir Mais ils le nous. savent. Hein. Ils vont venir nous harceler. Oui, mais ils le savent. Hein. Ils vont demander un autographe. Ah bah en vrai, ce serait stylé. Hein. Par contre, ils vont se faire recaler par Pascal, ça va être marrant. Vous êtes qui? Oh, je suis un fan de Grégory. Ah, Grégory? Mais comment ça, fan? Bah déjà, vous rentrez pas. C'est chelou. Mais non, après, ils le savent. Bah, c'est comme ça que, du coup, bah, Yann, que je ne connais pas, m'a contacté parce qu'il a dit, mais attends, t'as dit que t'étais à l'ENSAI, mais t'es le Greg de l'ENSAI. Je fais, bah du coup, l'ENSAI, il n'y a pas 40, donc il n'y a pas 40 Greg, donc oui. Ah, trop Et tu drôle. vois, Yann, le pote de Thomas. Enfin, du coup, je sais pas si tu connais, mais c'est un noir. Et je faudrait que je lui redemande, mais je crois qu'il a un deuxième prénom, et du coup, il est Un peut-être. noir. Ouais, bah ça va, noir. Et du coup, il est C'est le pas blanc, quoi. visage. Bah oui. Mais. Du coup, comme il n'y a pas de photo sur Facebook, je vois pas à quoi il ressemble, mais on a un peu parlé, et c'était assez marrant, du coup, qu'il vienne me voir. Attends, c'est toi le Greg? Première fois qu'on me demande, tu vois, c'est stylé. Waouh, ouais, on te reconnaît dans la rue presque, en fait. Bah non, pour le coup, Oui, mais bah non, on non. verra. Bientôt les 1000 abonnés, Inch'Allah. Ah ouais, j'avoue, faut que tu fasses un truc spécial. Ouais, bah c'est déjà prévu, Et après, tu peux être monétisé après la bah, je ville. serai monétisé. C'est juste le seul but, hein. J'en ai rien à foutre de ma communauté, ils le savent. Hein. Enfin, je dis toujours ça en soi, mais bref. Du coup, là, il y aura Mais. quasi tous les personnages du jeu. D'accord. Donc, je peux pas te décrire tout ce que je veux. D'accord. Mais si tu m'entends crier yes, c'est bien, quoi. Je t'entends souvent crier yes. Certes. Comme ça, devant la vidéo, ils vont se poser des questions. Mais Hein. vas-y, hein. Bon, Hulk, c'est. Oh, putain, mais arrêtez avec les rollovers. Non, les deux cas, c'était de la merde. Mais On bah, ça, dirait c'est. un flash féminin. Oh, j'avoue. Bah, c'est Captain Marvel version début du jeu où niveau graphisme, ils étaient pas ouf. Version moche. Ouais, c'est ça. Mais il y en a trois. Enfin, il y a une Miss Marvel, elle est noire. Mais métisse, plus que noire en soi. Mais ces deux-là, bah, c'est parmi les premiers persos du jeu, ils sont nuls à chier. En gros, dis-toi que tous les persos qui sont sortis après 2018, le jeu, comme il veut se faire de la thune, bah, ils les sortent en mode ultra god tier. Du coup, tous les persos d'avant, c'est même pas qu'ils sont nuls. En fait, en soi, ils sont bien, ils sont sympas. Sauf que, à la différence des nouveaux persos qui sortent, c'est de la grosse merde. Du coup, c'est le cas d'elle. Mais ils ont sorti une nouvelle version d'elle, du coup, pour le film, Captain Marvel. Et elle est, mais archi pétée. Voilà. Ok. Allez, celui-là, c'est un bon parce que là, on a rien eu de trop bien. Bah, en soi, du coup, le 15K était pas mal. Ok. Longshot, je connais pas, mais. Ah oui, puis aussi, l'objectif là d'ouvrir. Ah, c'est Groot. C'est le pire perso du jeu. Il a C'est un 5 éveil au moins. Même pas! Je me souvenais, c'est de la merde. Du coup, là, c'est le pire tirage qu'on puisse avoir. Parce que, grosso modo, en vrai, si c'est un nouveau. Il y a un mode là-dedans qui s'appelle les arènes où tu joues tous les persos que tu as pour aller grinder bah, des unités ou d'autres sources du jeu. Et bah, sinon, si tu te classes haut dans les classements, des nouveaux persos ou des éclats de persos. Donc plus t'as de persos, mieux c'est en soi pour les arènes. Sur mon premier compte, c'est ce que je fais. Comme j'ai plein de persos, je peux vraiment faire loin en classement. Sur ces comptes-là, je m'en fous un peu, mais ça reste toujours utile à des moments si j'ai besoin. Donc en soi, s'il était nouveau, c'est bien. Bon, c'est de la merde parce que c'est Groot, mais ça fait toujours un nouveau perso. Si c'était un éveil, ça veut dire que si c'était juste la deuxième fois que je le chope, là tu vois sa compétence, il aurait marqué éveil et il aurait eu 20 en compétence. Ça aurait été bien aussi parce que l'éveil, ça lui donne une compétence supplémentaire. Mais là, je l'avais déjà éveillé, donc tout ce que ça fait, c'est plus 20 à sa compétence spéciale. Donc c'est de la grosse merde. D'accord. Donc tu le sentais bien, faut éviter de les sentir. Mais Le bref. seul perso que En je vrai, connais. en vrai, on est dégoûté parce que Groot, je pense que je suis pas le seul à l'adorer. Enfin, c'est Groot quoi. Et c'est le pire perso du jeu. C'est Et trop du coup, on triste. attend un rework, enfin, on attend qu'il le remette à jour avec des nouvelles compétences parce que bah, il est nul à chier, quoi. En même temps, il est pas violent, Groot. C'est pas Bah utile. non, mais il Sa pourrait. place Enfin, l'épaisse. ouais, enfin, il y a des persos qui sont nuls à chier, enfin, genre Nick Fury.
C'est quand même un humain, genre il a pas de pouvoir, il a archipété dans le jeu. Donc voilà. Ok, j'appuie. Ouais. Ah oui, puis ce que je voulais dire aussi, là j'ouvre tous les cristaux maintenant, j'aurais pu attendre de terminer les failles que je n'ai pas fini pour. Putain. Trois autres persos nuls dans le jeu là. On dirait Topicler. Du coup, c'est Fléau, il est dans. C'est dans quoi? C'est dans Daredevil. Et sinon, dans les X-Men. Attends, je vais prendre un petit tabouret. Fais-toi plaisir. Mettre à mon aise. C'est ça. Ouais, du coup, ce Ça que je dure combien de disais. temps la vidéo là du coup? Bah, il reste un cristal et c'est fini pour celle-là. Ah, déjà? Ouais, Ah bah, ouais. c'est rapide. Non, mais après, il y aura ma vidéo sur, une vidéo sur ma chaîne où là, du coup, ce sera vraiment plein de 15K, plein de trucs. Et bah, il faudra essayer un peu de chatter un minimum là-dedans parce que c'est mon compte. D'accord, ok. Et est-ce que je serai encore là ou pas? Ah oui, ah Ok, oui. très bien. Bah, tant qu'à faire, enfin, à part si tu veux partir, évidemment. Ouais, j'en ai un peu marre. Ah. Bah, en même temps, tu chopes que de la merde, donc c'est pas marrant. Eh, c'est fou, hein, j'ai jamais de chance dans les trucs comme ça. Hein, Attends, donc, attends, attends. Le dernier. le dernier. Allez, si. Est-ce qu'on. Non, on pourra pas faire plus merdique. Enfin, si, en soi, si on rechoppe Groot, épique. Oh là 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 là, j'ai un peu la pression. Ouf, en soi, ce compte-là, je m'en fous. Mais là, l'objectif de quand j'ouvrais tous ces cristaux, c'était de voir si je pouvais pas choper un God Tier. Et ça, c'est pas mal. Pourquoi ils font toujours ce putain de rollover? C'est pas nul, mais Guillotine. c'est pas ouf. Waouh, je vais screen parce que j'ai jamais vu enfin, je crois un opening de 4 aussi, mais nul à chier. Heureusement qu'il y a le 15K, parce que le 15K, du coup, bah, on aura. C'est vrai que j'avais dit au moins un cristal bien et on est content. Mais on termine sur 4 cristaux de merde, c'est de la merde. Mais en gros, tu vois, dans les événements là qui permettaient d'avoir pas mal de ces ressources, j'ai pas fini. Et justement, j'attendais d'ouvrir les persos pour voir, parce que dans l'événement, tu peux en gros choisir une récompense grâce à un truc spécial, mais bref, donc grâce au chronomètre hein, pour ceux qui regardent. Et je voulais voir si j'avais besoin, si je chopais un gros perso, donc pourquoi pas long shot le monter. Donc aller prendre la gemme mystique. Donc la gemme, c'est ce qui permet d'éveiller le perso. Donc l'éveiller, c'est quand tu l'obtiens une deuxième fois, tu sais que ça du coup que ça l'éveille et que ça monte sa compétence spéciale. Il y a des persos parfois, enfin, genre il y a des persos sur mon compte, j'ai beau jouer depuis du coup 4 ans et demi, 5 ans, je les ai jamais eu encore. En 4 étoiles, il y en a un que j'ai jamais eu dans un cristal. Je l'ai eu en arène, donc je suis allé le chercher, donc je l'ai une fois, mais il n'est pas éveillé, je l'ai jamais eu dans un cristal. Du coup, enfin, quand tu sens comme ça qu'il y a des persos qui ont besoin d'être éveillés parce que leur compétence spéciale est vraiment bien, bah tu leur mets une gemme, donc c'est très rare, c'est vraiment très rare, mais quand t'as pas le choix, t'as pas le choix, enfin. Après, tu sais pas si tu vas le rechoper une semaine après, t'en sais rien. Mais bon, le fait de mettre la gemme, en général, t'es content. Enfin, voilà. Et donc là, l'objectif, c'était de voir si je chope un perso bon pour pourquoi pas aller chercher une gemme, plutôt que d'essayer de récupérer d'autres récompenses pour faire un opening plus grand. Donc voilà, bref. Donc en l'occurrence, je pense que je vais prendre la gemme mystique si je l'obtiens, parce que ce perso est sympathique. D'accord. Voilà. Du coup, en soi, l'opening est pas ouf, mais au moins le 15K était bien. Et finalement, c'est peut-être le principal. Donc on va dire c'est bien. Et en vrai, sur ce compte, c'est vrai que j'ai Magic, parce que les gens savent que j'adore Magic. J'adore les filles dans les yeux, mais en vrai les filles dans les yeux sont toutes pétées. Mais t'adores les filles de base, donc. Encore heureux, mais voilà. Mais en fait, c'est surtout que dans le jeu, les filles, t'as des compétences et les filles sont classées en S, non en small, parce que elles sont en général petites. Et bah, pour compenser, comme elles sont petites, elles prennent de gros dégâts, donc elles prennent cher. Enfin, une fille, ça prend toujours cher, hein, le basique. Tu vas te faire bannir. Non, en vrai, est-ce qu'il pourrait. Une fille prend cher, ouais, à voir s'ils mettent les mots ensemble. Bref, ouais, parce que je te rappelle que si on dit suicide, c'est pas ouf, hein. Mais je m'en fous, moi je suis pas rémunéré, moi je m'en fous pour le Ah oui, moment. c'est Mais vrai. bref, du coup, elles prennent souvent très cher, genre elles ont vraiment pas d'armure, à part à 2-3 personnages spéciaux, C'est vraiment des et tapettes. bah c'est ça. Mais par contre, du coup, elles ont des compétences à chaque fois archipétées, et elles sont géniales. Enfin, pour moi, tu te fais une comparaison du pourcentage de gros persos dans le jeu qui sont bons en filles et en garçons. Les filles c'est du 80% quand du coup les gars ou robots entre guillemets hommes c'est du peut-être 50% 40% quoi. Ouais, puis Donc les filles elles sont belles alors que les mecs c'est des bah Pokémon quoi. oh arrête long shot prince Ouf. charmant. Vas-y, tout pour toi alors. Bon en vrai bon les cheveux Ouais. bah le devant ça fait stylé tu vois bon l'arrière mais le devant. Attends, est-ce qu'il n'y a pas des persos beaux? Ça intéresse les gens, ce De genre de quoi? vidéo? Bah, les openings, ouais. Ouais. Enfin, après, tu vois, ils regardent surtout aussi pour. Enfin, il y en a certains parce qu'ils aiment bien la personne, etc.
pour perdre un peu le temps, sachant que t'aimes bien le jeu. Maintenant, c'est les openings qui font le plus de vues, parce que les gens aiment bien voir si tu chattes ou pas, et notamment si tu chattes pas, comment tu rages. Enfin, en soi, ça va, moi, Ah, ça va, t'as pas trop Bah non, ragé mais je rage pas des... Mais parce qu'en même temps, c'est pas mon compte, donc... Oui. C'est un compte secondaire, je m'en fous un peu de ce que je chope. J'ai déjà une team qui me permet d'avancer, donc... Là, Après, puis si je t'allais peux... pas rager contre moi. Bah, c'est ça. Enfin, en soi, après, hors vidéo, je vais la défoncer, mais frapper une fille en vidéo, c'est pas ouf. Moi, j'avoue, en Voilà. vrai, j'ai peur. Aidez-moi. Bref. C'est quoi, c'est 119 pour les femmes battues? Ouais, c'est ça. Mais encore faudrait qu'il tu puisses appeler, je te rappelle qu'on capte pas chez moi, puis comme t'as fermé la porte... Bon, il y a encore les clés dessus en soi si tu veux te barrer. Mais bon, je prêterai à peu près vite. Bref. Bon, en tout cas, bref, c'est fini pour cette vidéo. Donc, merci à Louise pour cet Mais opening merci Greg. très. Voilà. On va faire une autre vidéo donc sur mon compte qui, du coup, sortira normalement 2 jours après celle-là. Donc, celle-là, je sais pas trop quand elle sortira aussi, mais bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ouais, parce que je dis soirée parce que je les poste le soir, tu vois. Mais après, il y en a, ils regardent la journée, ils se posent toujours la question, bah ouais, mais moi, je le regarde à 10h, pourquoi tu me dis bonne soirée? Donc, je peux aussi leur dire bonne journée, mais comme je le poste en soirée, enfin voilà. Mais hier, t'as posté une vidéo à 5h du matin. Ben en soi, c'est la soirée. Non, mais parce que je devais la poster à 20h, j'ai complètement oublié. Et en me couchant, j'ai fait merde, je l'ai pas postée. Que du coup, maintenant, dès que je vais sur YouTube, je vois Greg, je vois toutes tes vidéos là, je me dis, mais c'est pas possible, comment je peux tout regarder moi? Bah, ça va. En vrai, là, il y en a une par jour cette semaine, donc ça va être long. Mais celle-là, du coup, tu la connais, t'es pas... à part si tu veux voir l'effet que Je ça a sais pas, fait. je vais stresser, mais peut-être pas la regarder Celle-là, celle-là. tu vas la connaître, donc c'est bon, puis celle d'après aussi. Mais Ouais. du coup, il y en a d'autres que tu vas pas connaître. Très Enfin, bien, très bref. bien. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que vous allez chatter dans vos cristaux, etc. Non, Et j'espère pas. En vrai, elle a raison, mais bon. Mais bref, sur ce, à toutes et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.